Bon, salut à tous, aujourd'hui, vu que c'est Agnès le patron, j'en profite pour nettoyer un peu les bords de parcelles, des bords de parcelles que j'avais acheté lors de mon installation, et que les grilles sont vraiment en très mauvais état. Bon, j'en ai refait un peu il y a quelques années, il faut continuer les travaux. Bon, j'essaie d'y attaquer un peu à l'automne, parce qu'au printemps, il nous manque toujours du temps, c'est une vraie catastrophe. Donc, dernier coup, j'avais fait une grosse section, là, il y a presque 300 mètres. Voire 400 de grilles avec un L. Donc là, il y avait pas mal d'arbres, des ronces, des buissons noirs, tout ce que vous voulez. Donc j'ai nettoyé tout ça propre pour pouvoir y mettre une grille d'aplomb afin de sécuriser les parcs et que ça se passe du mieux possible. Donc là, il y a une section d'un peu plus de 200 mètres. Ensuite, là-haut, je vais pareil, en entraide avec un voisin normalement. On devrait y travailler à refaire ça à deux, donc ça ira et d'une. Un peu plus vite, et deux, ça partagera les frais, parce que pour, hein, tout ce qui est piqué et gris, poser ça, ça représente quand même un budget à force. Bon, voilà, du coup, agnelage à peu près calme, les agnelles à peu près fini d'agneler, non sans mal. Bon, ça se tiendra peut-être, on verra bien ce que ça va dire. Donc, les arbres que j'ai coupés, évidemment, il y avait des arbres à peu près corrects, du coup, les garder, on en fera du bois de chauffage pour ça, du frêne, c'est toujours bon quand on aura le temps de se mettre dans un canapé au coin du feu. On en reste là pour aujourd'hui, moi je vous laisse, je vais retourner à l'agnelage qui se fait tard, et puis voilà, allez, à bientôt, ciao, bye bye.